nous pas d'accord pour ces étrangers qui ont décidé pour nous. Et nous pas d'accord. Est-ce qu'on même d'accord? Je dis, hein, nous présents pour nous dire tout garçon et femme vaillant à travers le monde côté gay haïtien pour nous lever camper petit bout de ça que nous gagnons causé famille. Qui ça me dit petit bout de ça nous gagnons causé famille. Non c'est ça comme nous annoncer. Je dis, tout le monde qui là, c'est le monde qui dit, yo pas d'accord avec l'occupation, yo pas d'accord avec neuf contractuels que CARICOM impose nous, yo pas d'accord pour ces internationales qui ont décidé pour nous, yo pas d'accord pour que nous quittions étrangers, venir souiller terre de Saline, Jean Noël pral fait, Jean commencé fait là. C'est dans ce sens ça. N'a fait nous connaître. Jusqu'à 19 mai 2024 là. À travers le monde. Dans tout état qui gagne aux États-Unis, en France, au Canada et dans plusieurs autres pays sous la terre côté des haïtiens, a gongo levé campé général contre couleur cette tête là, contre l'occupation. Pour dire oui à la révolution, oui avec un Haïti, côté ces Haïtiens qui sont capables de décider pour lui. Et jour 19, ça, réveille-là lui-même, l'a organisé une journée de réflexion. Une journée de réflexion. Côté nous pral chita, nous pral brasser l'idée. Nous pral proposer et que nous avons défini un calendrier d'action pour nous mettre fin à l'arrêt conseil dans le pays. Toute organisation qui n'est pas d'accord à ce qu'a fait là, tout leader politique qui n'est pas d'accord pour ces étrangers qui ont décidé pour nous, toute femme à garçon vaillant qui croit que nous avons besoin d'une révolution totale capitale pour tout le monde qui a l'école, pour la sécurité, pour la sécurité blaye, pour plus fort le monde qui est dans la salle là, qui déplace, qui te caillou, pour être capable de retourner la caillou, pour nous capables de voyager avec dignité, pour tout côté nous passer, pour nous reprendre fierté nous. Même Jean Saté dans le temps. Nous voulons que chaque Grenadien qui est présent là, qu'attendez-nous, rejoignez-nous pour faire un fond commun avec Réveil là, pour nous créer tout bon vrai, un climat serein, pour nous camper ensemble, pour nous gommer, pour nous avancer, pour nous faire triompher la révolution. M'a dit nous, partisans nous, qui croient dans la révolution, pas campé. Dans tout pays sous la terre, ça toujours prend temps pour que les gens comprennent. Je dis, il y a des gens qui avec nous, qui étaient campés dans la bataille avec nous, qui n'ont même pas qu'à attendre, qui courent quand ils font l'autre route. M'a dit nous, retournez. Nation attend yo, pays a besoin yo, parce que je dis, Haïti besoin des hommes, Haïti besoin des femmes solides, conséquents, nationalistes, Haïti pas besoin des collabos, Haïti pas besoin de rester avec, Haïti besoin de monde. M'a fini pour me dire nous, continuez camper. Nation a gagné espoir sur nous. Nous, c'est l'espoir pays à aujourd'hui. Si nous sommes dans la caille, nous ne pouvons pas lever campé pour nous dire non à l'inacceptable. Pour nous dire non
à conseil qui vend pays à étranger. Pour nous dire non à couler cette tête plus tard à plus triste. Vive Haïti, vive la révolution, vive peuple là, vive réveil là, vive tout haïtien, tout nationaliste qui croit au combat pour Haïti changer. Merci. Nous sommes campés en face à Ariel. Dans le moment, canal sac t'a fait ou en a maintenant. Nous te prenons pile pression. Ça coûte nous en pile. Mais je dis, nous tout ouel, président Abinadel déclaré officiellement que c'est Papa Konze qui relè Ariel là, qui te mandé faire le. Vive Haïti, vive la révolution, vive peuple là, vive réveil là, vive tout haïtien, tout nationaliste qui croit au combat pour Haïti changer. Merci. Peuple haïtien, malgré la fierté que l'indépendance d'Haïti est l'objet aux yeux du monde entier, il y a toujours des traîtres, des apatrides, des conseillers qui sont toujours disponibles, rien que pour jouer le rôle de principaux acteurs dans la scène de déstabilisation de notre patrie. Haïti, comme tout le monde le sait, est un endroit où se déroule l'événement mondial le plus touchant que le monde n'ait jamais connu, l'abolition de l'esclavage. Depuis, l'histoire de ce peuple reste et demeure une marque de référence dans tous les États où la marche vers la liberté en est un véritable défi pour les citoyens. Haïti, de par nos ancêtres, a tracé le chemin qui mène beaucoup de peuples sur la planète à partir vers la conquête de leur liberté, telle la République dominicaine. Après que Haïti ait obtenu son indépendance en 1804, la partie orientale de l'île Hispaniola, qui est aujourd'hui la République dominicaine, a sollicité l'aide d'Haïti. De 1822 à 1844, Haïti a apporté son soutien au mouvement d'indépendance dans cette région. En conséquence, la partie orientale a finalement obtenu son indépendance en tant que République dominicaine en 1844. En deuxième lieu, je peux citer le Venezuela. Simon Bolivar, le leader de la lutte pour l'indépendance en Amérique du Sud, a reçu le soutien d'Alexandre Pétion en lui fournissant des armes et des munitions, des soldats en même temps. Ce soutien a été crucial pour les campagnes de Bolivar contre les forces espagnoles, aidant ainsi à la libération du Venezuela et d'autres nations sud-américaines. La Colombie, tout comme pour le Venezuela, Haïti a également soutenu les efforts de Simon Bolivar pour l'indépendance de la Colombie. Le Cuba, nous avons soutenu les mouvements de l'indépendance cubaine au 19e siècle. Certains dirigeants cubains, comme José Martí, ont bénéficié du soutien et de l'hospitalité d'Haïti dans leur lutte pour l'indépendance de Cuba. Chili, des volontaires haïtiens se sont joints aux forces chiliennes pendant la guerre de l'indépendance du Chili contre l'Espagne. Haïti a également fourni une assistance financière à la cause de l'indépendance chilienne. Mexique, Haïti a obtenu le Mexique a obtenu le soutien d'Haïti pour l'indépendance du 19e siècle. Ces exemples montrent comment Haïti a joué un rôle significatif dans la lutte pour l'indépendance, principalement dans les pays des Amériques, en offrant son soutien, tant en matériel, moral et bien d'autres choses comme des moyens financiers, avec des pays aspirant à se libérer du colonialisme. Cette liberté, malgré connue et acceptée, est limogée à plusieurs reprises par des faux nationalistes, des tumultueux vautours qui ne croient que dans leurs intérêts mesquins et qui sont toujours prêts à participer dans des complots contre l'évolution de notre nation. 2 ans après notre indépendance, après qu'Haïti a fini d'étonner le monde suite à la proclamation de son indépendance,
le 1er janvier 1804 par nos vaillants ancêtres dont Jean-Jacques Dessalines a été le chef de file. C'est là qu'ont assassiné non seulement le père de l'indépendance, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, mais aussi l'idéal même de 1804. Ils s'installent et deviennent les acteurs de troubles à répétition dans le pays, car leur mission de père en fils est de perturber toute initiative citoyenne et entrer à une sortie de crise au profit du peuple haïtien. Nous, filles et fils d'Haïti, étant conscients de cette forme de tohu-bohu dont nous sommes l'objet, estimons qu'il est nécessaire d'exiger une autre forme de traitement avec la communauté internationale. À noter qu'environ une dizaine d'interventions des forces multinationales se sont arrivées en Haïti. Aucune n'a rien apporté au profit du pays, sinon que le chaos et le renforcement de l'instabilité politique et sécuritaire. Aujourd'hui encore, le pays paie la conséquence des dérives de ces nombreuses interventions. On peut citer les deux dernières les plus récentes, 1994 avec le retour du président Jean-Bertrand Aristide. Ces interventions nous ont coûté des fortunes. Mais le pire, c'est l'effondrement de nos structures sociales, les scènes de viol sur nos adolescents, les pillages de nos ressources naturelles, etc. La deuxième intervention sollicitée par cette classe politique de trahison en 2004, rien que pour satisfaire leur désir, a fait couler tant de larmes. Et jusqu'ici, les cicatrices sont encore là. On ne peut oublier les familles dont les membres ont été victimes de choléra, les adolescents violés par des agents de la mission, certaines fois des jeunes filles et femmes enceintes en raison de leur vulnérabilité économique, dont leurs enfants n'ont même pas la chance de connaître leur père. Nombre d'entre eux sont membres des gangs armés. Tels en sont les résultats et bien d'autres dommages. Le réveil national s'adresse au peuple haïtien, le demandant de prendre note qu'il y a encore des apatrides qui, aujourd'hui, se regroupent autour d'un serpent à sept têtes et deux cornes pour continuer de trahir l'idéal de 1804. Nous terminons pour dire à la communauté internationale, à ceux-là qui se disent être amis d'Haïti, à certains présidents, à des ambassadeurs, je vous le dis aujourd'hui, vous passez tout votre temps à traiter avec des hommes et femmes sans scrupules qui vous font croire que le pays est une savane et qu'il vous est loisible de faire tout ce que vous voulez jusqu'à ce que le dossier d'Haïti passe de l'ONU à l'OEA et maintenant tombe à la CARICOM. Quelle horreur, la nation haïtienne. Haïti, le berceau de la liberté. Il est profondément méprisant de constater comment Haïti est souvent réduite à une position de dépendance vis-à-vis de pays dont l'histoire et l'héritage ne rivalisent même pas avec un quart de la grandeur de la nation haïtienne. Cette situation met en lumière un triste constat. De nombreux acteurs internationaux, ainsi que certains hommes et femmes haïtiens, se sont montrés comme des vendus et des traîtres à la nation. Ces individus motivés par des intérêts personnels ou des gains politiques ont souvent trahi les principes et les valeurs fondamentales d'Haïti, compromettant politique et souvent trahi les principes et les valeurs fondamentales d'Haïti, compromettant ainsi son indépendance et son développement. Leur collaboration avec les forces extérieures pour servir leurs propres intérêts au détriment du bien-être du peuple haïtien constitue une trahison flagrante de l'héritage de lutte et de résistance qui a façonné l'histoire de la nation. La déclaration historique de Dessalines, selon laquelle toute personne, qu'elle soit esclave, affranchie ou étrangère, qui mettait les pieds sur le sol d'Haïti, est automatiquement libre et considérée comme haïtienne, résonne profondément dans cette lutte contre la trahison et la dépendance dont nous, au niveau du réveil national que nous menons aujourd'hui. Cela incarne le principe fondamental de la liberté et d'égalité qui a guidé la révolution haïtienne. Cependant, malgré ces principes nobles, le chemin vers une véritable souveraineté et dignité nationale reste parsemé de défis, y compris la présence persistante des traîtres et des vendus. Il est donc impératif que le peuple haïtien reste vigilant et uni dans sa lutte pour préserver l'intégrité et l'indépendance de sa nation.
en honorant les sacrifices de ses ancêtres et en défendant les idéaux de liberté et de dignité pour tous. Le réveil national pour la souveraineté d'Haïti veut dire encore une fois à la communauté internationale que ceux-là qui leur font croire qu'on est un territoire perdu, hey, ils vous donnent de fausses informations. Ce sont plutôt des gens qui créent leur propre foyer de gang à la seule intention de consolider leur pouvoir. Enfin, le réveil national entend se battre à corps perdu pour faire respecter la souveraineté d'Haïti. Vive la nation haïtienne, vive la révolution. Merci beaucoup.